Aujourd'hui, je voulais vous parler du Tour de France. Mais bon, avec Pokémon Go, tout le monde s'emballe du Tour de France. Remarque, tu vas me dire, avec ou sans Pokémon Go, tout le monde s'emballe du Tour de France. En plus, moi, j'ai chopé un ratata. Je peux te dire que je suis content. Hein. Attention, hein, je respecte les cyclistes. Hein. 200 km par jour, faut les faire. Hein. Moi, j'en fais 10. J'ai l'impression que je vais mourir. Les montées, je les fais à pied. Non, attention, eux, quand ils font une montée, ils vont plus vite que moi en descente. Mais sérieusement, à regarder le Tour de France, c'est pas possible, il se passe rien. T'as qu'une envie, c'est qu'il y en a un qui se pète la gueule pour qu'il se passe un truc. Non mais sérieux, il faudrait qu'il y ait un peu plus de suspense. Je sais pas, moi, un mec qui balance des pots de banane sur la route, ça serait bien. Remarque, moins il y a de personnes qui regardent le Tour de France, moins il y a de cyclistes. Non, parce que sans déconner, les cyclistes sur la route, ça m'énerve. Ils se croient tout permis, ils s'étalent sur 3 km, en queue de peloton, t'es un mec... Il a la langue qui sort, on dirait un tekel, il est comme ça. Il est fatigué de chez fatigué, faut qu'il arrête lui, c'est pas un sport pour lui ça. Et au milieu là, ils sont tous avec leur petite tenue de cycliste et ils tapent à discute, normal, tranquille. Par contre, sur les pistes cyclables, là, y'a jamais personne, hein. Jamais, jamais, jamais. Non, sérieux les gars, les pistes cyclables, elles sont pour vous, utilisez-les s'il vous plaît. Allez, adieu. Dans Paris, à vélo, on dépasse les...